Je suis Salvador Pérez, je suis le dirigeant de la société ChemDoc à Clermont-l'Hérault, dans l'Hérault. ChemDoc est une TPE spécialisée dans le traitement des eaux industrielles, donc pour la production des eaux de process et des eaux dans l'environnement de l'énergie, donc les eaux pour la production de vapeur et de refroidissement. Nous avons candidaté au défi de la centrale nucléaire de Golfech. La solution proposée est une solution de traitement d'eau membranaire, donc avec des technologies nouvelles qui remplacent les techniques conventionnelles basées sur des traitements chimiques. Ces membranes permettent d'avoir de très bons rendements pour faire de l'eau déminéralisée aux spécifications EDF qui sont très exigeantes, avec un recours minime, voire nul, à la chimie. Et donc, ce sont des techniques plus respectueuses de l'environnement. Avoir participé à EDF Pulse Occitanie pour ChemDoc est très important puisque c'est obtenir la reconnaissance du leader mondial de l'énergie, de nos savoir-faire dans les domaines du recyclage d'eau, avec des systèmes très innovants de traitement d'eau membranaire alimentés par des systèmes autonomes d'énergie comme l'énergie solaire.